Iari, maman est célèbre. Deux points, une horrible photo du pied de Giovanni dévoilée après l'accident. Giovanni Bonami est passé à deux doigts du pire. Percuté par une voiture juste devant sa maison, le mari d'Iari a souffert le martyr à cause d'une grave blessure au pied. Sur Snapchat, la candidate de télé-réalité a dévoilé un cliché, horrible, de son accident. Le 13 juin dernier, le mari d'Iari Vendrosiran était victime d'un grave accident juste devant leur maison. Je me suis fait renverser par une voiture, qui m'a cartonné. En voulant protéger mon petit chien, j'ai foncé dans la voiture. Mon petit chien va bien du coup. Et moi j'ai une fracture ouverte. A dévoilé une image du pied de son époux, qui est encore malheureusement loin d'être guéri, et il faut le dire, dans un piteux état. Un mois après l'accident, le pied de Géobois, peut-on lire en légende d'une photographie, où l'on découvre le pied de Géobois extrêmement gonflé. Rouge et couvert d'hématomes. Un accident qui s'était déroulé quelques jours seulement avant leur mariage, célébré le 25 juin 2022. L'ancienne star des Ch'tis avait raconté comment elle avait découvert son époux juste après le choc. Je l'ai retrouvé par terre, devant la maison. Du coup, on est vite parti à l'hôpital en ambulance. Il devait se faire opérer aujourd'hui, mais ça n'a pas pu se faire, parce qu'il manquait des outils importants pour l'opération. Du coup, il se fait opérer demain à 11h. Son pied n'a pas été épargné. Il a eu une ouverture de plusieurs centimètres sur le pied. Donc il s'est fait recoudre avec, elle confiait le 13 juin dernier. Les fiancés s'étaient finalement mariés à la date prévue sans repousser le mariage. Le marié était arrivé en fauteuil roulant lors de la sublime cérémonie organisée. À Bordeaux où étaient invités d'autres candidats de télé-réalité comme Martika Karangela, Julia Parod et son ex-compagnon Maxime Parisi ou l'ex de Raphaël Pépin, Tiffany.